Aujourd'hui, dans sa parole, retrouvez Noma. Une basse, une boîte à rythme et une guitare. Deux potes aux influences diverses. Alors bon là. Yeah.
là-bas, c'est un nom de maladie que j'avais trouvé il y a une dizaine d'années. Ouais. Bon, on n'avait pas cherché longtemps en fait. J'ai dit, ah oh, tiens, ça sonne bien, nom de maladie, vite fait, qu'athlète. Bon, bah, tout simple. C'était juste un petit nom comme ça. C'est une maladie qui touche les pays pauvres, les pays africains, les machins du tout, qui n'était pas connu du tout, comme nous. Quoi. Donc je me suis dit, bon, bah voilà. Okay. Voilà. Mais on ne fait pas partie de l'association, par contre, même si elle existe. Il va falloir qu'on leur reverse les cachets des concerts. Voilà. Les influences, à nous deux, il devait y avoir 1500 CD. Donc, mais aucune en commun. Aucune en commun. Bah, au fait, moi, j'écoute autant du grunge, punk, metal, blues, pop, tout, au fait. J'écoute tout. Et bah, je mélange. Je fais la grosse touille, mais tout ça énergique. Voilà. Ça, c'est plus restreint, c'est metal, hard rock, metal, hard rock. Voilà. Lui, il est metal, hard rock. Moi, je suis metal, hard rock and more. Mais ça va dans les trucs de gay quand même, Van Halen et compagnie, ça n'empêche pas.
ça, ça fait 10 ans et il y a eu en tout 8 albums édités. Et là, je suis sur le 9e. Le 8e, il est sorti en novembre. Là, il est à la FNAC. On peut le trouver. La discographie, elle est hyper variée. Les débuts, c'est plutôt grungy punky noise, on va dire, quoi. Et puis là, c'est vrai que plus ça va en ce moment et plus c'est gros son, cette corde et tout. Parce que bon, bah, c'est une évolution, mais j'aime bien quand même les trucs noise, mais bon. J'ai travaillé quasiment 14 ans pour m'amuser avec ma guitare, quoi. Alors après, si les gens ils trouvent ça démonstratif, je ne suis pas un guitare héros, quoi. Parce que je fais ça un peu à la louche, j'ai pas beaucoup de théorie, je fais ça, hop, je m'amuse. Il faut voir ça plus comme un amusement et voilà, se faire plaisir. Que voilà, je fais mon solo, ouais, super. Les solos, c'est jamais les mêmes, que ce soit dans le CD, en live et tout, c'est toujours des impros. Donc voilà, c'est de l'amusement. Bah, les clichés, c'est les membres des groupes de métal qui la créent, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent trop au sérieux et qui font trop les... On est les plus gros, on est les plus forts. Et finalement, le métal, moi, c'est plus un truc d'éclate
Enfin, je vois plus le métal comme un esprit punk et rock'n'roll que les gros balours qui se pointent et on est les plus méchants. Et puis finalement, ils regardent la Star Academy comme tout le monde. Donc je me dis, bon, les gros méchants, les rebelles, ceux qui parlent pas trop et tout, ça me plaît pas trop, quoi. Il y a des gens, c'est leur métier de trouver des groupes, de croire en des groupes, et c'est pas à nous de lécher un vieux là qui va essayer de nous manager. Non, pour l'instant, on continue comme ça. Si ça avance, ça avance. On n'est pas vieux de toute façon, même si ça fait un petit bout de temps que ça dure. J'ai encore la patate, donc voilà. Peut-être à 35 ans, je ferai du Cabrel ou. Yeah.
Yeah.
ends of dead sky. Do you want to sleep? So take drugs and sing.
Regard, c'est votre magazine.